Divergence au sein de la C14 au Togo, 14 partis politiques au départ, 9 se retrouvent en série de réflexions pour une synthèse. La nuit du mercredi 6 mars reste une fois encore gravée dans la mémoire des Togolais à cause d'une pluie inédite qui jaillit ses étincelles. Les prisonniers politiques de la prison civile de Kara et de Lomé ont été assistés des leaders de la coalition et de la société civile. Que se passe-t-il au Venezuela? La politique de bras de fer toujours tendue, qui en est les instigateurs? À qui profitent les retombées? À quoi sert le franc CFA en Afrique? Quelles sont les répercussions économiques? Comment répondre au mieux les problématiques et à qui le tort si l'Afrique se refroidit? Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Au Sénégal, les résultats provisoires ont été tombés le jeudi dernier et ont confié la victoire au chef de l'État sortant Macky Sall avec 58,27% des voix selon les retombées officielles provisoires annoncées par la Commission nationale de recensement des votes. Idrissa Seck arrive au deuxième devant Ousmane Sonko, El Hadj Issa Sall et Madike Dieng. Ces derniers ont aussitôt rejeté les résultats en annonçant qu'ils ne feront aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Et ces résultats aussitôt proclamés ont été confirmés par la Cour constitutionnelle qui réimplante maintenant Macky Sall dans un nouveau mandat de 7 ans renouvelable. En Côte d'Ivoire, le président de la PDCI, Henri Konan Bédier, s'est rendu à Yamoussoukro le mardi dernier où il doit rencontrer les chefs traditionnels et les notables et s'est rendu au caveau du père fondateur Félix Mfeboigny, à l'endroit où il avait pris l'engagement de soutenir Alassane Ouattara en 2010. Ainsi, un pacte qu'il compte dénouer et en présence des mêmes chefs traditionnels et notables qui avaient à cette occasion baptisé Alassane Ouattara comme un nom baoulé à la Nina. Au Rwanda, 4,7 millions d'électeurs inscrits pour une population de 9 millions d'habitants. Rwanda, un pays de l'Afrique centrale divisé en 5 provinces géométriques, a préservé sa stabilité politique depuis le génocide de 1994. Le président Paul Kagame a été réélu pour un mandat de 7 ans en août 2017. Et aujourd'hui, grâce à l'assurance de la sécurité, Paul Kagame du Rwanda a réalisé des progrès spectaculaires et un développement économique social. Difficultés monétaires entre la France et les pays de la sous-région. La monnaie unique africaine qui se constitue en coulisses reflète déjà des mécontentements au sein des leaders politiques, en l'occurrence les présidents de la zone CFA et de l'UEMOA. La France serait-elle coupable de n'avoir pas enregistré le franc CFA dans le registre mondial? Au fond, selon l'histoire, le franc CFA est né le 26 décembre 1945, le jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international FMI. Et le CFA est défini colonie française d'Afrique. Après cette dénomination coloniale, le franc CFA est redéfini une fois encore une communauté financière africaine
pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et, une fois encore en troisième position redéfinie, franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC. Ainsi, le franc CFA, qui est une monnaie non enregistrée dans le registre mondial, reste un problématique qui pèse lourd sur les personnes patriotiques pratiquant l'économie mondiale des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui constituent l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont l'institut d'émission est la BCAO. Ainsi, quelles sont les conséquences qui restent l'élément principal d'instigation? Veuillez suivre les analyses d'un avocat qui garde l'anonymat lors d'un procès de la Cour pénale internationale. Telles sont les analyses de l'économiste camerounais qui est en train d'être profilé sur la chaîne du Cameroun. Alors, il est à savoir tout simplement que voilà, il y a des opérations concrètes dans les coulisses qui se passent avec les dirigeants africains, les présidents africains qui sont sous le coup de la France actuellement. Mais il est vrai qu'on se prononce des pays indépendants, mais aujourd'hui, dans les pratiques, nous sommes tous là, sous la dépendance, sous les principes de la France à travers les leaders de l'Afrique. Changeons de rubrique pour tomber sur le Venezuela. Que se passe-t-il exactement? La politique de base, la politique, le bras de fer, bien sûr, de la politique résiste toujours. La dictature prédomine et les revendications se multiplient. La violence des droits de l'homme et provoque également les situations irréversibles. Mais à qui profite cette situation? Élément de réponse avec causeur, un journaliste, analyste qui essaie d'expliquer au fond les paramètres systématiques et systématiques de l'institution qui prévaut actuellement au Venezuela. Et selon les échos qui nous parviennent, la situation est tellement tendue là-bas et le Venezuela se retrouve dans un calme précaire. Revenons au Togo, la société civile toujours à l'œuvre pour la libération des détenus politiques qui n'ont que d'armes que le peuple togolais. Voilà, le Togo debout, voilà le Front citoyen Togo debout, à la visite des prisonniers politiques de Kara et ont réalisé et obtenu des besoins d'un soutien populaire que déclare le responsable de la délégation lors de leur sortie de la prison civile de Kara. Et sous la houlette du président national du MJS, M. Sakibou, sont venus rencontrer les parents des victimes détenues à la prison civile de Kara. Dans le cadre des manifestations, le Front citoyen Togo debout, en soutien à ces victimes innocentes qui pleurent nuit et jour, je dis indigné et écœuré, et le symbole que nous présentons à l'humanité, à tous les Togolais, pour signifier que tous les Togolais sont en prison. Et le Front citoyen Togo debout demande que tous les détenus politiques soient immédiatement libérés. La politique, ce n'est pas la prison. Les innocents n'ont pas leur place en prison. Et si le régime respectait les lois, l'APG, les accords, aujourd'hui, on n'allait pas avoir de manifestation au Togo. Un régime réfractaire à l'alternance, ça ne peut conduire qu'aux manifestations et aux soulèvements. Nous demandons à Faure et ses amis de faire libérer immédiatement tous les détenus politiques. Nous demandons au peuple togolais de soutenir tous les détenus politiques. Nous saluons également le soutien des uns et des autres, la bravoure de la diaspora et tous les Togolais. Ensemble, plus jamais aucun Togolais ne doit dépasser deux mandats à la tête de ce pays. L'alternance doit devenir une réalité au Togo. Chers frères et sœurs, le Front citoyen Togo debout demande à tous les Togolais, main dans la main, de se lever pour sauver ce pays. Nous vous remercions.
Merci. Tel est le discours déclaré par le responsable de Togo Debout qui se retrouve à l'intérieur du pays, précisément à Kara. Il est à noter tout simplement que nous y étions la semaine passée, et la semaine passée également, les prisonniers se retrouvent dans des situations précaires que nous ne pouvons pas quand même déclarer sur les antennes. Mais également à Lomé, et la coalition avec ses leaders ont rendu également visite aux prisonniers politiques qui se retrouvent dans la prison civile de Lomé. Ils sont au nombre de 53 détenus, donc ils ont eu quand même l'assistance des leaders de la délégation de la coalition des 14 partis politiques. Voilà, inondation à Lomé, la fin de la journée de mercredi 6 mars 2019 a été marquée par une grande pluie qui s'est abattue sur Lomé et ses environs, puis dans certaines localités de l'intérieur du pays. Ceci replonge carrément les quartiers périphériques de la capitale du Togo en danger. Certains habitants sont délogés. À cet effet, veuillez suivre la rage des eaux de ruisselle sur la nationale numéro 1 à l'entrée de Lomé sous le pont aérien d'Agoué. Il faut, et si le corps mauvais mot, et si le corps mauvais loup, il faut là, hein? Oh, bientôt. Togoto, mi bunkula, mi bunkula. Voilà la situation qui a prévalu avant-hier à Lomé, et on ne sait pas quand même la manière dont que ça se retrouve à l'intérieur du pays, mais surtout c'est la capitale qui est vraiment importante. Cette capitale togolaise reçoit quand même des étrangers, reçoit quand même des Européens de gauche à droite qui essaient de visiter Lomé, surtout Lomé, mais finalement c'est l'état dans lequel se retrouve notre capitale lors de la pluie qui avait secoué la ville de Lomé. Voilà, divergence dans la C14, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition charismatique, bien sûr, togolaise, se plonge dans un dilatoire prématuré et qui désolidarise leurs militants et le reste de la population distinguée pour le changement. La C14, au lieu de privilégier le Togo et les Togolais, se prévaloir avec des questions, des points de divergence sur le rapport et l'analyse du parcours politique mené ensemble pour l'alternance politique au Togo. Les 14 partis politiques devraient se retrouver en réalité en conclave, mais seuls 9 partis se sont retrouvés en 2 jours de réflexion. Les partis comme CAR de Yaouvi Agouibo, PNP de Tipi Salifou Atchadam et 3 autres boycottent le conclave, et ceci pousse la jeunesse de Sokoré à se retrouver en concertation également pour essayer de situer les leaders de la C14, à les faire revenir à la raison. Veuillons retrouver les propos de la concertation à Sokoré. Parlons d'une seule voix à Sokoré ici. Pour dire aux responsables des partis politiques qu'on ne veut plus vous voir divisés, ils vont se ressaisir. C'est le travail que nous allons faire. On ne peut plus continuer par se diviser. Et le régime se moque de nous. Nous allons parler d'une seule voix, du début jusqu'à la fin. Bientôt, le temps joue contre nous, bientôt 2020. Le grand voyage, ça se prépare aujourd'hui. Et comme on le dit, refuser de planifier, c'est planifier son échec. Disons aux responsables des partis politiques, il faut parler d'une seule voix avant de venir à Sokodé, avant de venir à Bafilo, avant d'aller à Mango, avant d'aller à Dapaon. On ne veut plus voir quelqu'un parler que c'est moi, mon parti, mon parti. Le lion devant nous est fâché, mais c'est ensemble qu'on va le terrasser. Et je voudrais finir. Ce qui m'étonne, on rentre dans les maisons des gens pour les frapper à cause de leur engagement politique. Pensant qu'on va cesser, on ne va plus cesser. Même dans la brousse, on va continuer la lutte. Même dans les prisons, on va continuer la lutte. Parce que ce Togo, c'est pour nous tous. Le jour qu'on nous dira qu'on n'est pas Togolais, là, on va laisser la lutte. Le jour qu'on nous dira que nos parents, à Sokodé, à Bassa, à Mango, n'ont pas lutté pour l'indépendance de ce pays, alors nous allons laisser la lutte.
tous les Togolais ont droit au bonheur. Notre pays est riche. Regardez le train de vie de ceux qui sont au pouvoir. Si on partageait un peu, tous les Togolais pouvaient avoir le minimum vital. Et c'est pourquoi nous luttons. On ne fait pas la politique pour aller en prison. On ne fait pas la politique pour fuir son pays. On ne fait pas la politique pour être tué. C'est honteux. Et ce qui m'étonne, je finis mes mots, qu'on accorde la grâce présidentielle à un détenu politique. Et aux criminels, on dira quoi? Qu'est-ce qu'un homme politique accorde pour avoir manifesté chez quoi en prison? Et ceux qui blessent les gens, ceux qui tuent les gens, les enfants de 12 ans, ceux qui volent de la région, du pays, ils sont où? Et nos frères juges regardent sans pouvoir parler. Le pays est en danger quand la justice ne fonctionne pas. Le pays est en danger quand la police et la gendarmerie ne fonctionnent pas. Le pays est en danger quand le militaire n'est pas capable de comprendre qu'on ne tue pas sur un manifestant à main nue. Nous tous, nous sommes en danger. C'est pourquoi j'avais dit que tous les Togolais sont en prison. Nous sommes tous en prison. Quand le juge ne peut pas parler, il est en prison. Quand le chef de l'État ne peut pas dire la vérité, il est en prison. Tous les Togolais sont en prison. La seule chose qui va nous sauver, c'est l'alternance, le changement. Alors que Dieu soit avec nous. Je vous remercie. Voilà. Et les explications, bien sûr, du jeune homme qui avait essayé de prendre la parole devant la jeunesse de Sokolé. Il est à savoir tout simplement que les leaders de la C14 également, tous et trop, se retrouvent encore dans un dilatoire dont ils n'arrivent pas à s'entendre aujourd'hui, il faudrait quand même le dire, mais les Togolais ont besoin d'une libération totale. C'est pourquoi le jeune homme vient de déclarer tout simplement que voilà, tous les Togolais se retrouvent dans la prison. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Malick Sall de l'autre côté pour la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Tempo Afrique TV. Au revoir.